On trouve que ce projet de centrale est problématique. Moi, je pense aussi que ça permettrait de nationaliser, parce que j'ai pas trop le terme, mais bon, de porter la lutte de façon un peu plus, intelligible, parce que sinon, après, les gens, ils comprennent. Ouais. Et voilà, quoi. Et après, bon, moi, je suis pas forcément. Enfin, moi, je suis plus à du bordel organisé. Et je pense que c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Enfin, je sais pas, moi, ma mère, elle parle encore de Plougoff. De toute façon, si on fait un communiqué, il faut le faire relativement bref, parce qu'en ce moment, il y a une censure terrible pendant des élections. Il nous passe une phrase et puis le reste. 900 caractères, si on veut que ça passe. Alors, surtout que les autres vont être reçus demain, apparemment, par la presse. Ceux qui sont pour vont être reçus par la presse demain. Donc, ils vont avoir droit aussi à un communiqué à peu près égal. Donc, il faut s'en tenir à des points essentiels, mais courts et. Ce que je veux dire. Tout à fait, synthétisé. Surtout que le contexte s'y prête. Ce qui sera les déclarations sur la COP, ce qui est arrivé avec Trump, les faits et les actes, avec une déclaration d'Emmanuel Macron, je pense que c'est le moment. Les données d'entrée qui sont déjà. Les données qui sont obsolètes. Quoi. Les données de base. Les bases qui sont obsolètes. C'est ça l'idée. C'est le point clé. Pour moi, c'est vraiment le point clé. On en parle depuis 2007. Les chiffres, c'était plus un brilleux. Après, c'est arrivé ici. Les données institutionnelles auxquelles on a eu accès, c'était 2007-2008. On va dire plutôt 2008. 2007-2008. Il y a 10 ans. C'est la tour de la croix. C'est toujours le pire. Peut-être le deuxième point sur le climat. On est tous d'accord pour dire que c'est à contresens. Cette centrale se fait, elle sera approvisionnée en gaz de schiste américain. Ça part par l'Irlande, ça part par le Bretagne. Oui, mais ça arrive. C'est pour prendre la déclaration d'Emmanuel Macron hier. De partout. Le prix de la mort des Américains. Les loups qui s'enflamment.